suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un haul mode grande taille. Ce sera un haul mode Romwe. Alors, ils m'ont contacté à l'occasion du Cyber Monday. Donc, vous savez, le Black Friday, Cyber Monday, ce sont des grosses promos. Il y a tout le long du mois de novembre sur de nombreux sites internet et en magasin, etc. Mais en l'occurrence, c'est Romwe. Donc là, j'ai pu choisir des fringues grande taille. Et je vous mets également un code promo ici qui est valable sur tout le site. Je vous mets tous les liens de ce que je vais vous présenter et le code promo en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à en profiter si vous devez commander sur ce site. Il faut absolument que je vous dise comment j'ai procédé pour choisir mes vêtements. Alors, tout comme d'autres sites, j'ai pris mes mensurations et je suis tombée juste, vous allez voir. Donc vous prenez votre tour de poitrine, votre tour de hanche, vous prenez votre tour de taille. Si vous le souhaitez, vous prenez même vos bras, vous prenez votre carrure, vous prenez vos chevilles. Ça dépend de ce que vous allez acheter, hein, tout simplement. Moi, j'ai pris mon tour de taille parce que j'ai un pantalon. J'ai pris mon tour de poitrine pour tout ce qui est haut. Enfin, vous allez voir, de toute façon, on va tout essayer ensemble. Petite précision pour la livraison. Pas de frais de douane, donc c'est super. Arrivé en une semaine, quoi demander de mieux? Donc franchement, je suis ravie, donc n'hésitez pas à commander là, peut-être pour les fêtes, pour faire des cadeaux, etc. Ça va assez vite, donc faut en profiter. Alors, on commence par ceci. Alors évidemment, vous allez tout à fait me reconnaître là-dedans. Vous savez que moi, j'adore tout ce qui est sur chemise, ouais, à carreaux comme ça. C'est très automnal, très hivernal. Moi, j'aime beaucoup. Alors, c'est une surchemise. Alors, elle est entre la chemise simple et la surchemise un petit peu épaisse. Vous voyez, elle est ni épaisse ni mince. Elle est moyennement épaisse, on va dire. Vous pouvez le mettre genre en gilet surchemise ou même en robe. Ouais, mais je vais vous montrer tout ça. Donc, elle se compose d'une petite poche ici, de ce côté aussi. C'est plutôt classique pour les surchemises, j'aime bien. On a une finition comme ça sur les poignets, c'est très très joli. Elle est douce, elle est agréable, le tissu est confortable, vous allez voir, je vais vous montrer tout ça. Elle est quand même très 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 longue, façon liquette à l'arrière, elle est très 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 jolie, j'espère que vous allez bien le voir. Elle est superbe, donc on va l'essayer et je vous dirai ce que j'en pense. Et vous voyez, elle est même, elle n'est pas blanche à l'intérieur comme certains produits, hein. Elle est vraiment de la même couleur que l'extérieur. Et ça, on apprécie beaucoup. Alors là, gros coup de cœur pour ce suite. Alors, j'ai vraiment craqué sur la couleur. Pourtant, je ne suis pas très rouge. Mais quand on avance vers l'automne-hiver, j'en ressors un petit peu du rouge. Et voilà, je tente. Mais gros coup de cœur sur le col de ce suite. C'est une matière suite, mais il a une touche d'originalité avec cette espèce de faux débardeur qui vient à l'intérieur du col. Je trouve ça très joli. Vous voyez à l'arrière, ça fait un petit peu nageur, c'est vraiment, vraiment sympa, j'aime beaucoup. On a ici un genre de col V avec comme le petit débardeur, je trouve ça trop beau. Ensuite, les finitions, un bord suite comme tous les suites. Pareil pour les manches, vous voyez, tout à fait standard. Et on va regarder en quoi c'est fait, 95% polyester, 5% élastane. Et pourtant, on dirait vraiment du coton, et je vous jure. Je vous jure qu'on dirait vraiment du coton, c'est tellement agréable, vraiment très très joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est un sweat assez original. Ça peut passer avec des pantalons habillés comme des jogging, comme des jeans. En fait, ça passe avec tout grâce à sa matière, mais aussi grâce à son col très original. Je trouve ça très 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 joli. Ah, c'est super agréable comme tissu, vraiment. Vraiment très 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 joli, très original. Un autre
également un gros coup de cœur. Dès que je l'ai vu sur le site, j'ai dit celui-là, il me le faut. Il est vraiment très joli, donc c'est un pull en grosse maille comme ça, très sympa. La couleur est très très jolie, une couleur bien nude, qui tire un petit peu sur le pêche, mais qui est assez nude quand même. C'est un beige, ouais, un beige un petit peu pêche, vous voyez. Il est très joli avec son col roulé là. Franchement, clairement, j'ai craqué moi sur tous ces petits détails là, vraiment magnifique. Et regardez-moi ces manches comme elles sont trop belles. Elles sont vraiment travaillées. On a différents motifs, il n'y en a pas qu'un, hein. Il y a vraiment différents motifs. Et au bout, ça se resserre un peu de cette façon. Et du coup, ça vient sur, vous allez voir quand je vais l'essayer, mais du coup, ça vient sur les mains. Il y a des gens qui aiment bien porter des pulls très longs comme ça, qui laissent dépasser les manches. Or moi, c'est pas vraiment mon cas, je vais les rouler, vous allez voir. Mais je vous montrerai quand même que ça peut se porter assez long. C'est très 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 joli. Alors c'est un pull, oui, assez long, hein. Moi je ne prends jamais de pull court. Je veux que mon ventre soit recouvert. Voilà, je me sens plus à l'aise comme ça. Et tant mieux, parce que franchement celui-là, il est vraiment très beau de cette longueur-là. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez même le mettre avec un legging, avec un corsaire. Vous pouvez mettre ça, même peut-être même en robe. Je pense que certains pourraient le porter en robe. Moi non, hein, c'est trop court pour moi. Je fais 1m65. Mais ouais, je pense, hein, il est vraiment très joli. Et derrière, il est tout simple. Mais le col, là, le col est énorme. Moi, je l'ai replié, mais il est énorme. Donc, vous allez être bien, bien, bien amitouflé, là, pour l'hiver. Franchement, j'ai craqué. Alors, par contre, je pense que je vais le laver à 20 degrés, pas plus. J'aurais peur de l'abîmer. Je vais regarder s'il y a une indication pour voir. Alors, c'est du 3XL, 100% acrylique. Et au niveau du lavage, 30 degrés et on peut le repasser. Et on peut le mettre au sèche-linge. Alors moi non, hein. Clairement je ne le mettrai pas au sèche-linge, j'aurais trop peur. Mais je vais le laver à 20 moi, hein. Par sécurité, je vais le laver à 20 avec une lessive laine. Voilà, je vous conseille de faire pareil, on ne sait jamais. Voilà, voilà pour ce joli pull, il est magnifique. Alors, il va très bien avec le pull que je viens de vous montrer. C'est pour ça que je l'ai pris pour faire un ensemble. Donc, c'est un jean, mais vraiment de très bonne qualité. Donc, on a les ceintures comme ça qui est beige. Donc, à peu près de la même couleur que le pantalon, légèrement plus clair. Vous voyez l'arrière ? Très, très, très sympa. Alors, il est légèrement grand, bien que j'ai regardé par rapport au tableau. Il est légèrement grand. Et c'est aussi la coupe qui fait ça. Parce que c'est une coupe mom et que moi, en général, je mets pas des skinny, mais pas loin. Je sais pas comment ça s'appelle, entre le skinny et le normal, voilà, moi je ne mets pas du standard parce que je trouve que c'est trop droit, et je ne mets pas de skinny parce que c'est trop serré, je suis entre les deux, voilà. Donc là, c'est une coupe mom, hein, vraiment, j'ai pas l'habitude, on a des jolies poches, alors je trouve qu'elles sont très très bien placées, du coup ça fait de jolies fesses. On a également des poches à l'avant avec cette petite poche à l'intérieur, je trouve que c'est vraiment très joli. Ce qui est très bien, c'est qu'il y ait des passants. Comme ça, je vais pouvoir le mettre avec ma ceinture. Alors, j'ai essayé avec ma ceinture et effectivement, ça va très bien avec la ceinture. Donc, en fait, c'est une taille haute. Pour moi, c'est une taille plutôt haute. Et l'originalité, elle est là. Regardez comme c'est beau. Il est magnifique. Regardez comme il est joli. C'est très, très beau les finitions. Et à l'arrière, il est tout marron. Alors, c'est un camel un petit peu foncé. L'arrière est un camel un petit peu foncé et j'adore cette couleur à l'automne. Vous voyez, l'arrière est comme ça. Et cette couture-là, vous voyez, cet empiècement-là n'est pas tout à fait le même que l'autre. C'est un petit peu asymétrique et c'est pas tout à fait le même. Vous allez voir porter, mais vraiment, c'est très joli. Ça, moi, je verrais bien ça avec le haut. Des bottines western, alors j'en ai, mais malheureusement, elles sont blanches. Donc, je ne sais pas si je vais les essayer avec. Peut-être que je vous montrerai. Qu'est-ce que j'ai en marron? Ouais, j'ai ce que je porte au pied en marron, mais c'est des bottines toutes simples à lacets. Ouais, je vais peut-être essayer avec ça pour vous montrer, comme ça reste dans le marron. Sinon, on peut mettre ça avec des petites bottines noires, voilà. Mais ça peut être vraiment cool. Il est vraiment, franchement, très très joli. La qualité, elle est dingue. Là, c'est pareil, la qualité est dingue. En plus, il n'était pas très cher, il me semble. Je ne sais plus trop, mais il me semble qu'il n'était pas très cher. Il est de très bonne qualité. Ah oui, on n'a pas regardé la matière, pour voir. Voyons la matière, parce qu'il me semble de très très bonne qualité, celui-là.
Alors là, il n'y a pas de. Je crois qu'il n'y a pas. Ben, il n'y a pas du tout d'étiquette. Ah si. Alors, c'est un 4XL. Ah ben voilà, c'est pour ça. 81% coton, 6% polyester et 13% viscose. Donc voilà pourquoi il est de très bonne qualité. Donc lavage à 30, hein, de toute façon, c'est ce que j'aurais fait. Hein. Et pour le premier lavage, d'ailleurs, je vais retourner. Je vais le retourner au cas où, voilà, pour pas que ça s'abîme. Mais très, très, très joli celui-là, franchement. Alors pareil, j'ai totalement craqué dessus. C'est une veste en jean, mais trop, trop, trop belle. Alors ce qui me tenait à cœur, c'est qu'elle ait des poches. Et elle a des poches, oui. Voilà. Enfin, une veste en jean avec des poches, c'est très, très rare de trouver des vestes en jean à poches. J'arrive jamais à en trouver. J'en ai, mais ouais, non, elles n'ont pas de poches. Donc on a des poches des deux côtés. La finition classique dans la finition classique des manches, hein, comme d'hab, mais pareil, il a une originalité et ça, j'adore. Il y a une capuche en molleton très très épais incluse. Regardez comme elle est chouette. Alors pareil, moi sur mes vestes en jean, je n'ai jamais de quoi me couvrir quand je vais chercher mes enfants à l'école, quand je sors de la voiture et que je porte ma veste en jean et qu'il pleut ou qu'il brûle, je n'ai rien pour mettre sur ma tête. Et ben voilà, c'est fait. Là, j'ai une super capuche qui est trop trop jolie. Bon, voilà ce que ça rend à l'arrière. Vraiment très jolie veste en jean. Est-ce qu'on peut enlever la capuche au cas où? Non, on ne peut pas enlever la capuche, c'est à savoir. Je sais que sur certaines vestes en jean, on peut le faire. Donc, elle a deux poches ici. Alors, est-ce que ce sont des vraies poches? Non, ce sont des poches factices. Donc, on a des poches factices en haut et en bas. Est-ce que ce sont des vraies? Oui, en bas, ici, ce sont des vraies. Donc, c'est génial. On a des petits cordons là et du coup, je trouve qu'elle est super. Et je peux vous dire que cette veste, elle pèse son poids et qu'elle est plutôt chaude. Donc pour la saison, on peut encore la mettre. Je suis vraiment trop contente. Je ne m'attendais pas à une veste en jean aussi épaisse. Donc celle-là, c'est plutôt une veste en jean pour l'automne. Clairement, voilà, vous pourrez la mettre qu'en automne-hiver, peut-être au printemps, s'il ne fait pas trop chaud. Mais voilà, moi je trouve qu'elle est super. En plus, elle est quand même assez longue. Hein. Vous voyez comment elle est? Bon, elle est finition parfaite, vraiment. Elle est très travaillée, elle est très jolie. J'aime bien le bleu, j'aime bien ce bleu et tout, c'est ni trop clair ni trop foncé, j'ai des jeans de cette couleur, j'en ai même qui sont plus foncés, donc je pense que ça va bien aller avec, puis même avec un pantalon noir, peu importe, ça, ou même un jogging, hein, vous voyez, si vous devez sortir, vous avez un jogging en dessous, ça peut faire un petit peu sportswear avec des jolies baskets montantes, ça peut être vraiment sympa. Alors j'espère que ce petit haul vous aura plu. N'hésitez pas à regarder en barre d'infos. Vous avez le code, les liens, tout ce qu'il faut. N'hésitez pas à me mentionner quel a été votre article préféré. Si vous avez déjà commandé chez Romwe, ce que vous en pensez. Et je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye!